Le marché est légèrement dans le rouge ce soir à la clôture. Il faudra certainement attendre les premières publications semestrielles des groupes du CAC 40 la semaine prochaine pour faire bouger les lignes. On commence ce point avec le secteur du luxe qui cède du terrain ce soir, notamment avec des valeurs comme Kering ou LVMH. Également dans le rouge, des valeurs comme CGG et Eutelsat cèdent 2% ou un peu plus de 2%. En revanche, dans le vert, on retrouve Carrefour après 4 séances précédentes de baisse influencées par des avis négatifs d'analystes. Carrefour publiera ses comptes semestriels le 26 juillet. Enfin, Renault est également en hausse après avoir dévoilé de très bons chiffres commerciaux pour son premier semestre. Le constructeur a vu ses ventes grimper de 9,8% sur les 6 premiers mois de l'année. Focus ce soir sur Alstom, la Commission européenne a ouvert une enquête approfondie visant à examiner le projet de rachat d'Alstom par Siemens. La Commission craint que la concentration ne réduise la concurrence pour la fourniture de plusieurs types de trains et de systèmes de signalisation. L'opération envisagée réunirait les deux plus grands fournisseurs de matériel roulant et de solutions de signalisation au sein de l'espace économique européen, non seulement en termes d'activités combinées, mais également sur le plan de l'empreinte géographique de leurs activités. Le titre cède du terrain à la clôture. Je vous souhaite une très bonne soirée et vous donne rendez-vous demain à 9h30 pour le prochain Flash.